Test comparatif de 10 pinceaux pour la peinture à l'huile et à l'acrylique. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous me voyez sur YouTube, alors je m'appelle René Milon, je suis professeur de peinture et tous les mercredis j'ajoute une nouvelle vidéo sur des techniques de peinture ici sur YouTube. Alors si vous aimez la peinture, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit et comme ça vous saurez... Vous verrez les prochaines vidéos arriver et vous êtes bien sûr avisé, vous êtes sûr de ne pas les manquer. Alors aujourd'hui, nous allons comparer 10 pinceaux pour vous aider à choisir les meilleurs pinceaux et pas forcément les plus chers. Et nous allons voir, bien entendu, les problèmes qui surviennent puisque nous allons faire passer des tests à ces 10 pinceaux-là. Alors c'est sûr que si on choisit mal nos pinceaux, qu'est-ce qui arrive Eh bien, on va se retrouver avec des achats répétitifs parce qu'ils vont s'user. On va les jeter. On doit en acheter d'autres. Il va y avoir du gaspillage. On va avoir de la difficulté à peindre sur nos tableaux. Et aussi, à force, eh bien, on peut se décourager et ne plus aimer la peinture juste à cause des pinceaux. Vous voyez Alors, voilà. Donc, avec ce comparatif, j'espère que ça va vous aider à choisir vos pinceaux et que vous allez pouvoir mieux peindre avec plus de facilité et aimer encore plus la peinture. Alors, je vais vous montrer exactement, donc, pour euh, chacun des dix pinceaux. Voilà. Je vais faire dix euh, tests, ok? Dix tests par pinceau. Nous allons voir ça. Euh, il y en a qui sont plus techniques que d'autres. Chaque pinceau va subir ces dix tests et puis je vais vous donner un résultat final sur euh, chaque pinceau. Comment est-ce qu'il a passé avec ou sans succès euh, chaque test? Mais juste avant de commencer, euh, avant d'aller plus loin, je vous informe que vous pouvez cliquer sur un lien qui est dans la description sous la vidéo pour obtenir un guide, euh, donc qui va reprendre un petit peu tous ces, ces comparatifs là avec des notes. Donc je vous fais ça, un petit guide, on va dire un petit guide du comparatif de ces pinceaux là. Vous allez pouvoir le trouver dans la description sous la vidéo. Il faudra cliquer sur le lien pour pouvoir l'obtenir en PDF. C'est bon. Donc voilà. Alors c'est parti. Maintenant, nous allons tout de suite commencer à faire les tests pour ces dix pinceaux-là. Alors, les dix tests que nous allons faire sur les dix pinceaux, ça donnerait 100, on va dire 100 étapes à vous montrer. Donc, on ne fera pas ça. Bien entendu, ça serait beaucoup trop long. Alors, les dix pinceaux, nous avons ici le premier I Love Art de Gerstacker fabriqué en Allemagne. Nous avons ici le Da Vinci aussi de Gerstacker, toujours fabriqué en Allemagne. Nous avons ici le Galeria Winsor Newton qui lui est fabriqué en Angleterre. Ici, nous avons le Textura de Raphaël, qui est fabriqué en Mauritanie. Nous avons ensuite, je lis sur ma liste, parce qu'ils sont à l'envers, je vois pas le texte, euh, le Kolinsky Sable de Princeton, qui est fabriqué en Allemagne. Nous avons ici euh, Isa Isacril de Isabe qui est fabriqué en Mauritanie. Nous avons ensuite un Lasco. Lasco de Lasco, il hein, n'y a pas vraiment de modèle de marque, et puis je ne sais pas où il est fabriqué, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Nous avons le Rosemary Enco Evergreen, fabriqué en Angleterre. Nous avons ici le fameux Black and White Hog Filbert de Connoisseur, qui est fabriqué euh, au Sri Lanka. Et nous avons ici le Silver Grand Prix, fabriqué au Sri Lanka. Si je l'ai mal prononcé, si vous n'avez pas très bien compris, n'oubliez pas que vous avez le guide qui est à télécharger dans la description sous la vidéo. C'est bon? Donc là, vous verrez le, le texte écrit comme il faut avec toutes les références. Je n'ai pas marqué de prix. Pourquoi Parce que les prix changent beaucoup, parce que vous avez des spéciaux ici et là. Donc, selon les magasins, selon où vous allez l'acheter, euh, Amazon ou autre, les prix vont être tout le temps différents. Donc, ça ne sert à rien de marquer un prix aujourd'hui sur un pinceau. C'est bon Alors, les tests que nous allons faire. Nous allons voir d'abord pour chaque pinceau. Je vais regarder l'aspect général, l'aspect, la solidité du manche de la virole de la touffe. Okay, on va parler de l'aspect. Ensuite de ça, j'ai ma liste ici. Nous allons voir la solidité aussi de la touffe, la facilité de nettoyage, le ressort des poils, la solidité des poils à l'usage, cette fois-ci à l'utilisation, la rétention de la peinture, la restitution de la peinture, et nous allons voir aussi s'il est meilleur pour l'huile ou pour l'acrylique en fonction de tous ces critères là, c'est un petit peu ce que je vais euh, faire pour, pour ces pinceaux là. Donc au niveau de pour vous donner un petit peu une idée, on va commencer tout de suite avec une première étape qui est l'aspect général. Du moins qu'est-ce que nous allons aussi voir dans cet aspect général. Je prends le premier pinceau au hasard de toute façon pour ici, ça va être I Love Art euh, » de George Tucker. L'aspect général, c'est-à-dire c'est aussi euh, sa solidité sa présentation c'est sûr c'est un beau pinceau celui-là euh, je vous dirais ils sont pas mal tous beaux mais euh, si vous voulez l'aspect général bon mais ben, lui il est très brillant par exemple vous voyez il est très brillant puis son le manche il est vraiment souple alors là, on parle de la maintenant la qualité du manche manche souple je me demande s'il va avoir assez de solidité selon le cas euh, ça m'est arrivé de casser les pinceaux hein, parce que des fois euh, j'appuie fort dessus aussi euh, le manche aussi par exemple ici vous voyez il y a un grossissement, ok? Ce grossissement, il est très intéressant si je tiens mon pinceau par en bas pour faire des détails. Il va pousser ma main un petit peu vers le bas du pinceau. C'est-à-dire qu'il glissera pas vers le bout du pinceau. Il va me ramener un petit peu vers la virole. Donc, c'est comme si j'avais une position ici à la base de la bosse qui est très bien pour le maintenir et il ne va pas bouger, il ne va pas se déplacer. Donc, ça, c'est intéressant. Pas tous les pinceaux longs. Mais voilà, donc c'est une, une façon de tenir le pinceau. Sinon, vous savez qu'on le tient aussi beaucoup, souvent, par le bout du, du manche comme ceci. Donc voilà, ça c'était pour le manche. Je mettrai des notes aux qualités de manche selon le, euh, chaque pinceau. Ensuite de ça, il y a la virole. La virole, ici, c'est ce qui tient les poils. Alors, ce qui est très important, c'est de savoir ici, la virole par rapport au manche, comment est-ce qu'elle est sertie Est-ce qu'elle est sertie Très profondément, peu profondément, ou pas serti du tout. Et à ce moment-là, il y aurait de la colle à la place du sertissage. Si c'est le cas, ce qu'il faut savoir, c'est que la colle peut s'en aller, se décoller. Le manche et la virole peuvent se séparer facilement. Si le manche trempe dans l'eau, ou laissez le pinceau tremper un certain temps dans l'eau. L'eau va peut-être faire gonfler le bois euh, du manche. Il va se dilater. En séchant, il va se recontracter. Et là, le, on va dire que la, la virole va se décoller, puis là, où vous allez perdre le bout du pinceau. Hein, ce qui arrive très souvent, vous l'avez remarqué, je suis pas mal certain que ça vous est déjà arrivé, ça, de perdre le le bout du pinceau, et puis on ne sait plus comment le mettre, il, il tient plus. Hein. On coince ça avec des morceaux de chiffon, de papier ou autre. Ça, c'est un des problèmes euh, majeurs et récurrents lorsqu'on a des pinceaux de mauvaise qualité, parce qu'ils ne sont pas bien sertis. Attention aussi, si on laisse tremper longtemps dans l'eau euh, ou dans le solvant, que le manche gonfle aussi. Même s'il est bien serti, et eh bien, ça peut dilater le sertissage. Et au moment où le pinceau va se recontracter, ça va sécher. Et eh bien, le sertissage va être mou. Donc, il va pas partir, mais ça va être tout mou, ça va bouger. Et là, on ne peut pas peindre comme il faut. Quand la virole bouge, on ne peut pas. C'est important donc d'essayer de ne pas laisser tremper le manche. D'arrêter toujours votre liquide au, au milieu de la virole, je dirais. Hein. Voilà, c'est bon si vous faites tremper le pinceau pour pas qu'il sèche, par exemple. C'est ça, au milieu de la virole, mais jamais le manche. Euh, voilà, donc les viroles aussi. Alors la virole, la couleur de la virole ou sa brillance, ça a une influence dans le sens où si vous peignez dehors en plein soleil, que vous avez une, une virole argentée très brillante, vous pouvez avoir des éclairs de, de flash, de, de reflets de soleil dans vos yeux. Ça peut être très dérangeant ou ça peut être des spots de lumière. C'est pour ça que comme ici, elle est noire, c'est moins réfléchissant, mais il y en a aussi qui sont plus opaques, plus, plus mat que brillants. Ça peut être intéressant pour ça aussi. Voilà, donc nous avons vu le manche, la virole. Ensuite, de ça, la touffe. Alors la touffe, lorsqu'on achète un pinceau, qu'on a un petit peu défait la colle, parce que souvent les poils sont collés, on peut le bouger comme ça. Alors, c'est la forme. La forme de la touffe, euh, c'est important de voir qu'elle soit bien coiffée, que les poils sont bien serrés et qu'ils partent pas déjà à droite à gauche. S'il y a des poils qui sortent à droite à gauche, qui s'en vont avant qu'on s'en ait servi, imaginez après qu'est-ce que ça va donner. Hein. Donc c'est ça. Et euh, la, alors, la touffe aussi, regardez bien, une chose importante. Vous avez votre pinceau à plat. Bon, ici, c'est une langue de chat. Vous allez voir, vous passez vos doigts comme ça dessus et vous allez sentir son épaisseur. Okay. Et vous allez voir qu'il y a des pinceaux où on sent qu'il y a comme une, une bosse. Et puis après, ça devient plus mince. Et là, on s'aperçoit qu'il y a vraiment beaucoup plus de poils et que les poils peuvent être aussi entrelacés. Si on la regarde de, de profil comme ça, je regarde avec le haut si vous voulez, avec la... La caméra de face ici. Voilà. Là, vous voyez le pinceau de profil. Là, vous le voyez de face. C'est une langue de chat. Bon, ben ici, de profil, vous voyez qu'il n'est pas très gonflé. Là. Il est gonflé, mais pas trop. Il y a des pinceaux qui le sont plus, qui sont beaucoup plus gonflés. Mais si vous le passez avec les mains comme ça, vous allez le sentir ici. Oui, voyez, celle-là, elle est un petit peu plus gonflée. C'est là où vous allez sentir la quantité de poils. Parce que si c'est très mince, qu'il n'y a pas beaucoup de poils... Bien entendu, il va y avoir une souffrance à un moment donné, il va, il va s'user plus vite. C'est bon? Voilà. Et puis la souplesse. Alors, comme ici, nous avons une souplesse qui est vraiment, pour moi, excellente. Je vous dirais qu'il va être aussi bon pour la peinture à l'huile que la peinture acrylique au niveau de la souplesse. Maintenant, reste à voir au niveau de l'épaisseur du poil, ce qui va donner comme trait, comme ligne sur la toile et aussi au niveau de la solidité. Voilà un petit peu donc l'aspect général que nous avons pour ce pinceau. Nous avons vu donc l'aspect général, la qualité du manche, la qualité de la virole et l'aspect de la touffe. Et nous avons vu aussi, j'allais oublier, le ressort des poils. Mais ça, on va, on va, on va le revoir aussi, ce qu'on va faire de la peinture sur la toile. Au niveau de ce qu'on appelle le ressort des poils, je vous dirais que j'ai remarqué que le pinceau Da Vinci, est vraiment très 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 mou. C'est le plus mou de tous, le plus souple. Tandis que le Raphaël, c'est vraiment le plus dur, le plus raide. Il a une touffe qui est vraiment très 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 dure. Sinon, tous les autres pinceaux, on va dire qu'ils sont moyennement fermes ou moyennement souples. Pour tester la rétention de la peinture, j'utilise donc chaque pinceau. Je vais les tremper dans ce mélange, ce jus d'eau et de peinture, alors ça c'est la peinture acrylique golden, bluff talo, vous voyez, je fais un petit mélange, chaque pinceau sera trempé dans ce mélange et appliqué sur la toile, de cette manière-là, c'est-à-dire que je vais tracer, vous voyez, on voit très bien que la peinture se décharge tranquillement. C'est sûr, c'est de l'acrylique très liquide. Mais là, on va pouvoir voir donc comment se comporte chaque pinceau. Et je vais faire le test pour chacun d'eux et vous donner le résultat pour celui, on va dire, euh, qui aura une particularité dans ce sens. Pour cette étape, je dirais de rétention, puisque c'est un lavis que j'ai mis, j'ai chargé le pinceau du même jus, je l'ai appliqué partout pareil. Pour cette étape de rétention de la peinture, je vous dirais qu'on en a trois, euh, six qui sont excellents, vraiment. C'est euh, le I Love Art, le Da Vinci, le Raphaël, nous avons aussi le Lasco, le Connoisseur et le Silver. Ça, ce sont vraiment les. Ceux qui nous gardent la peinture le plus longtemps, qui nous la restituent le plus longtemps, mais disons qu'ils emmagasinent plus de peinture, qu'ils gardent la peinture dans la touffe pendant plus longtemps. Alors que les autres, eh bien, on en voit un qui est vraiment très médiocre ici. Cela, même, j'aurais pu le continuer plus bas, plus long, mais c'est vraiment ici, sur la partie du haut, où on voit le, comment le pinceau va se décharger. Et ça nous donne vraiment un excellent résultat. Donc, lorsqu'on fait de la vie, nous avons quand même six bons pinceaux à utiliser. Maintenant, nous allons passer en revue comment le pinceau va se décharger de peinture aussi, mais cette fois-ci avec des touches beaucoup plus épaisses de peinture. On va y aller avec des touches larges, des touches fines, et on va voir aussi donc la qualité du trait, la qualité, la finesse du trait, à savoir si les poils s'écartent déjà, partent à droite, à gauche ou non. Puis on va revoir ça après avec la solidité. Donc je vais toujours avec le, les mêmes pinceaux, je le charge bien, Alors, vraiment très bien chargé. Y aller plus horizontalement cette fois-ci, si j'ai la place pour les 10, oui. Touche large. Et la touche fine. Alors, bien entendu, je n'appuie pas. Ça, c'est le pinceau I Love Art. Et je vais continuer de cette manière-là, toujours avec le même ordre de pinceau. Hein. Dans le même ordre. Sur cette étape, alors euh, j'ai sorti finalement, on retrouve euh, deux, on va dire, deux champions au niveau de la restitution de la peinture. Ça va être le Raphaël. Ici, le Raphaël qui est vraiment bon, qui nous a gardé la peinture, qui nous a restitué la peinture le plus longtemps, autant dans la touche large que dans la touche fine. Et nous avons aussi le Lasco, le Lasco qui est très très bon aussi. Euh, pour cette partie-là, où on doit restituer de la peinture épaisse. Donc, une peinture qui peut être aussi de l'acrylique comme de l'huile. Il n'y a pas de problème. C'est vraiment bon. Vous voyez, alors que les autres, eh bien, parmi le, les moins bons, nous avons le I love art, pardon, qui est ici, qui, voyez, qui a vraiment déchargé très rapidement, qui n'a pas gardé longtemps la peinture. Et nous avons aussi le Rosemary Enco qui est ici, là, voilà. Vous voyez, Rosemary Enco Et le silver aussi, le silver qui, qu'il n'y a pas vraiment de, de très bonnes notes euh, pour l'instant. Maintenant, je sais que vous, euh, ça vous arrive souvent de peindre avec peu de peinture et de frotter beaucoup la toile avec très peu de peinture. C'est ce que nous allons voir maintenant. Je vais prendre juste un petit peu de peinture, c'est-à-dire que je vais charger mon pinceau. Je vais le décharger volontairement sur ma palette, hein, comme si je peignais avec un petit peu la peur qu'il y ait trop de peinture sur mon pinceau. Et je vais venir pour voir comment ça va peindre sur la toile à ce moment-là, comment est-ce que je vais couvrir à ce moment-là, vous voyez, avec une vingtaine, une trentaine de coups de pinceau, comment est-ce que j'arrive à appliquer la peinture. C'est sûr que ce sont tous des tests qui ne sont, sont pas systématiques. Pas, je ne suis pas une machine, je ne fais pas douze coups ici pour chacun. J'essaye de, de mettre un petit peu du jugement là-dedans. Ce n'est pas scientifique, hein, c'est... On va dire, je suis un humain et je le fais avec ma méthode d'humain. Je prends la peinture, je la décharge. Voilà, quand je vois qu'il y a à peu près la même quantité, je vais pouvoir peindre avec. Vous voyez comme ici, je sens que vraiment euh, ce pinceau fonctionnera pas parce que il, il a les poils qui sont trop mous, vraiment trop, trop mous. Ça, c'est le Da Vinci. Il n'est pas idéal vraiment pour ce genre de travail-là. On dirait quasiment que je ferais de l'aquarelle avec ce pinceau-là. D'ailleurs, vous voyez, il a eu une très bonne note pour le lavis. Lorsque je peins avec très liquide, oui, mais avec une peinture épaisse, ça ne fonctionne pas trop. Donc, on va continuer comme ça le test avec tous les autres pinceaux, puis vous donner le résultat. Pour cette étape, je vous dirais que les pinceaux les plus fermes ont le meilleur rendement, tandis que les trop mous sont vraiment pas bons pour ça. Lorsqu'on peint avec très peu de peinture sur le pinceau, il vaut mieux que le pinceau soit un petit peu plus ferme. Et je vous dirais que les meilleurs pour cette étape, ce serait donc le Raphaël et le Lascaux. Les moins bons, vraiment le moins bon, ou les deux moins bons, ça va être le Da Vinci et le Isabé, (isacril). Ils sont vraiment trop mous pour réaliser ce. Ce genre de frottis-là avec très peu de peinture dessus. Lorsqu'on va sur le site internet des fabricants de pinceaux, ils nous marquent certaines qualités comme la virole, euh, la souplesse de la touffe, la solidité, tout ça. Mais ils nous parlent aussi de la facilité de nettoyage. C'est sûr que si on prend notre pinceau et qu'on le nettoie comme il faut avec le savon et l'eau qu'on reste longtemps sous le robinet et qu'on nettoie, il va très très bien se nettoyer, mais ça va prendre un certain temps. Cependant, pendant qu'on est en train de peindre, on ne va pas le laver au savon sous le robinet tout le temps pendant qu'on peint. Mais ben, ce qu'on fait, on charge notre pinceau, on peint sur la toile, puis après on le nettoie. Et on le frotte dans l'eau si c'est à l'acrylique ou on le frotte dans un pot de, de, de diluant si c'est en peinture à l'huile. Eh bien, ce que je vais faire ici, c'est un petit test pour savoir si ce nettoie vraiment facilement. Ce que je vais faire, je vais beaucoup le charger de peinture, je vais le décharger sur la toile jusqu'à ce qu'il ne fonctionne plus, puis je vais le laver dans un pot d'eau propre. Je vais voir combien de fois je dois donner un coup de pinceau dans l'eau pour que finalement il ne reste plus de peinture dans le pinceau. Bien sûr, encore une fois, c'est pas scientifique. C est, c est, on va dire qu'on est dans la peau, mais ça va nous donner une idée quand même aussi, n'est-ce pas? Ça va nous permettre de, nous permettre de noter notre pinceau. Alors, je vais commencer avec le premier toujours, encore une fois, le I love art. Alors, je le charge bien de peinture. Vous voyez, quasiment comme on ne doit pas faire quand on peint, c'est faire monter les poils jusqu'en haut jusqu'à la virole, la peinture dans les poils jusqu'à la virole. Voilà. Là, je vais peindre sur la toile jusqu'à ce que... Et ça ne peigne plus. Voilà, Lorsqu'on fait de la peinture, on est rendu là, ça ne peint plus, ça ne marche plus. là. Je ne peux pas, il faut que je reprenne la peinture ou bien je change de couleur. Et c'est là que je dois aller le nettoyer. Alors dans mon pot d'eau propre, je vais y aller avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 coups. Et là, je vois qu'il y a encore beaucoup de bleus. Encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je suis rendu avec 10 coups. Je vais juste l'éponger un petit peu. On voit qu'il y a encore du bleu dedans. Hein. Voilà. Je vais l'essuyer bien comme il faut. Je recommence encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On l'essuie. Ah, ça commence à aller mieux. voyez Donc voyez je me fais une idée. Et là, je vais pouvoir... Une fois que j'aurai passé les dix pinceaux comme ça en revue au niveau du nettoyage, je vais savoir si vraiment il y en a un qui wow, waouh, lui se nettoie très bien, ou l'autre, il y a toujours de la peinture, ça n'en finit plus. Je vais pouvoir, à ce moment-là, mettre une note approximative quand même, bien entendu, on reste dans quelque chose de, de logique et de conforme à ce que je vois ici. Donc, je continue avec le deuxième, qui est euh, le Da Vinci. Je vois que c'est un pinceau qui est très mou. Hein. Lui, là, franchement, oui. Ça serait un bon pinceau pour l'aquarelle. Hein. Le Da Vinci de Gerstacker, oui. Voilà, je n'ai plus rien. Ça ne me fonctionne plus. J'y vais. On était rendu à euh, 16 coups. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'avais fait ceci, un petit peu dans le chiffon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis au même niveau et on voit que celui-là, vraiment, il s'est nettoyé plus facilement. Donc, je sais que de ces deux pinceaux-là, déjà, le da Vinci, c'est normal, vu qu'il est très souple, qu'il re... il est comme un pinceau d'aquarelle, il est plus facile à nettoyer. Et comme ça, je vais passer les 10 pinceaux en revue et je vous reviens avec le résultat. Alors à la suite de ce test, je vous dirais que tous les pinceaux se nettoient quand même assez bien. Euh, plus les plus les poils sont mous, mou, plus ça se nettoie facilement. Et donc le moins euh, le, le perdant de ce test-là, c'est le Raphaël. Le Raphaël que j'ai vraiment eu du mal à nettoyer parce que il a les poils qui sont vraiment c'est lui qui a les poils les plus fermes, les plus durs. Même si la, la touffe est courte. La peinture reste quand même beaucoup dedans, c'est difficile à nettoyer. Sinon, ça se nettoie quand même assez bien. Je vous dirais euh, c'est ça, euh, j'en ai euh, les plus faciles à nettoyer. Donc euh, c'est ça, euh, c'est tous ceux qui ont les poils assez mous. Euh, les, euh, je vous dirais le, le les oh, moyennement euh, facile difficile, qui sont pas très faciles, mais quand même ça va bien. Ça serait euh, le Isle of Art, le Windsor et Newton Galeria et le Isabelle Acryl qui sont moyens, sinon tous les autres se nettoient très très bien, sans problème, et puis le perdant, c'est ça, c'est le textura de Raphaël. Les deux prochains et derniers tests concernent la solidité. Dans un premier temps, pour ce test-là, je vais y aller avec votre façon de peindre aussi souvent, qui est de frotter le pinceau sur la toile, beaucoup le frotter avec très peu de peinture. Là, je vais voir pour la solidité, pour la solidité des, des poils, si vous voulez. Je vais frotter, bien sûr, sans peinture, sur une toile, une toile qui est bien texturée quand même, c'est une toile normale. Je vais prendre chaque pinceau, puis je vais les frotter jusqu'à euh, les user, euh, de manière euh, quand même régulière pour chaque pinceau, qu'on est à peu près, donc en essayant d'avoir toujours la même pression, et puis je vais y aller comme ça, frotter de droite à gauche, en comptant mes coups de, mes coups de pinceau. Ça va être long pour moi. Alors, ça sera pas tout filmé, sinon, ça serait beaucoup trop long. Je vais peut-être mettre une centaine de coups de, euh, de, comment dire, de, de coups de pinceau, comme ceci, voilà. Je prends à peu près la diagonale, j'y vais de côté droite et gauche, comme ça. Je... Vous voyez, j'ai donné 50 coups de pinceau de ce sens. Je tourne le pinceau. Je vais donner 50 coups de pinceau dans l'autre sens. 50 coups de pinceau dans un sens et dans l'autre. Et là, je vais voir après ça le résultat au niveau des poils, comment est-ce qu'ils réagissent, comment est-ce qu'ils vont se présenter. Vous voyez, comme si ici les poils sont mouillés, mais quand même, on voit que le pinceau a pas mal souffert. Donc, je vais faire euh, le frottage de tous les pinceaux, puis je vais les positionner les uns à côté des autres, et on va voir ce que ça va donner au niveau du, du résultat de l'usure du pinceau. On y va avec le deuxième. Alors, il faut faire attention aussi que le pinceau soit assez sec.

ce qu'on peut faire, ben, c'est voir dans quel état est le pinceau. Déjà, il y a plein de poils sur la toile. Ce n'est pas surprenant. J'ai tous mes pinceaux qui sont ici. Alors, honnêtement, je vous dirais, euh, le High Love Art, il a vraiment souffert. Beaucoup, beaucoup. Alors, le High Love Art, là, il est vraiment euh, très écarté. Là, les poils sont... Je pense qu'il est fini, le pinceau, là. Le da Vinci, le Galeria, pardon, le Galeria, il est pas si pire, il est pas mal. Il a souffert un peu, on le voit, mais il est pas mal quand même. C'est lui, le da Vinci, il est fini aussi. Là. le da Vinci, euh, comme si j'essaye de de bien coiffer la, la touffe, là, elle revient vraiment tout écartée. Ça va déranger pour peindre. Le Raphaël, il est beau. Il est pas mal beau. Il y a un petit peu d'écartement des poils, mais pas trop. Le Princeton. Il est fini aussi, le Princeton là. Waouh, il, il, il a souffert. Hein. Euh, bien qu'il est plus petit, celui-là, euh, le Isabé, ben, il a souffert. Il a souffert un peu, mais il n'est pas si pire quand même. Hein. Je, je suis surpris parce que j'aurais pensé qu'il aurait souffert plus que ça. Le Lascaux, le Lascaux ben, euh, ça va, il a souffert un peu, mais pas si pire. La situation est quand même. Euh, pas désespéré, hein, voyez. Ça, c'est le Rosemary Enco. Lui, oui, lui, il a plus souffert, oui. Oui, il a pas mal. Les poils sont tout écartés. Le Connoisseur, bah, on dirait qu'on n'a rien fait avec. Il est pareil qu'avant. Impeccable. Le Silver, oh, le Silver, il a souffert, oui. Il a pas mal. Il y a les poils qui ont chauffé, on le voit, ça, ça commence à s'écarter. Et vous savez que cette friction que j'ai faite sur la toile, c'est exactement la même chose qui se passe lorsque vous essuyez les pinceaux dans un papier essuie-tout. C'est pour ça, que moi, je préfère utiliser le chiffon qui est plus doux que le papier essuie-tout. Ce qui permet de, quand on frotte avec un essuie-tout comme ça, un pinceau, là, je prends mon pinceau, je l'essuie comme ça, je le frotte. Eh bien, on va chercher la peinture, oui, c'est sûr, mais à chaque fois, à chaque coup, c'est une friction. Friction qui chauffe les poils et qui va faire en sorte qu'ils vont s'écarter au fur et à mesure. Il reste encore un test, ça va être l'écrasement du pinceau, puisque ça arrive très souvent que euh, lorsque vous faites de la peinture, vous écrasez le pinceau dans le fond de, du pot de solvant, de taltine, de diluant à peinture, euh, ou bien dans le pot d'eau. Vous l'écrasez, vous l'écrasez, vous l'écrasez beaucoup dans le fond. Je l'ai remarqué. <laughs> je le vois faire souvent. Et donc, c'est ce que je vais faire. Je vais écraser le pinceau dans le fond du pot d'eau. Bien l'écraser vraiment fortement pour exagérer. Et on va voir ce que ça va donner comme euh, écartement, comme euh, de la touffe de poil finalement. Alors voilà. Maintenant, donc, on va faire ce que vous ne devez pas faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais malheureusement que des fois, on fait machinalement. Je vais écraser le pinceau jusqu'à ce que la virole touche le fond de mon pot. Alors, j'écrase vraiment. De manière aussi voilà, à ce que les poils se mettent en éventail à l'intérieur. Vous je reste appuyé. On frictionne un petit peu en, en torsadant. Voilà, puis je vais faire à peu près la même chose pour chaque pinceau. Pour voir ce, qu ce que ça va donner, comment, euh, comment il va sortir de là au final. Voilà, je nettoie bien mon pinceau comme vous le faites. Hein. C'est bon. Et c'est parti. Puis je vous donne le résultat dès que cette, cette petite expérience sera terminée. Voilà, tous nos pinceaux ont été bien maltraités. Et puis euh, je vais pouvoir voir maintenant comment ressortent les poils. Alors je les ai pas euh, testés encore là. Je, je viens juste de tous les écraser. Alors je les recoiffe un petit peu. On va voir comment ça, ça revient, comment ça reste. Au niveau de chaque pinceau, ouais, ils sont gorgés d'eau. Déjà, je vois, euh, ouf, il y en a certains qui ont plus souffert que d'autres. Je vous dirais ici, là, mon grand champion, là, c'est le Lasco. Hein. Le Lasco, les poils sont revenus identiques à ce que c'était avant. Le Connoisseur aussi. Les autres, ils ont tous un petit peu... Ah, celui-là, il est pas mal aussi, pour un... un pinceau mou. Le Da Vinci. Malgré le fait que j'ai tout écrasé, vous voyez, celui-là aussi. Le Princeton, il revient bien. Celui-là, il garde une trace. Celui-là, OK. Alors... Euh... Oui le silver aussi est bien revenu. Oui non. Alors le, le pire, le pire des cas, ce serait lui. Hein. Le Galeria, le Galeria, lui, il a vraiment souffert. Il veut pas revenir. Le Galeria, le of Art aussi, il a vraiment du mal. Hi et puis alors le Isabe, là, il, il a beaucoup de mal aussi. Oui. Vous voyez donc. Euh, tous les pinceaux ne réagissent pas pareil à chaque chaque étape, chaque chose que l'on fait. Alors c'est avec tout ça ce que je vous ai euh, tout ce que j'ai testé, c'est sûr que pour vous ça va être difficile de définir. Je vous reviens tout de suite avec euh, le un petit résumé et euh, de tous ces pinceaux là les lesquels vont les mieux réagir en fonction de ce que vous avez à faire. Allez, un petit dernier test en bonus, pourquoi pas Maintenant que les pinceaux sont bien usés, bien abîmés, Qu'est-ce que ça donne si on les utilise pour peindre Parce que c'est vrai que la touffe de poils, elle peut rester écartée, mais une fois qu'ils sont rechargés de peinture, la peinture recolle les poils. Puis on peut voir si ça fonctionne ou non. Alors on va y aller avec le Da Vinci qui n'a vraiment pas. Euh... Euh, pardon, le High of Art d'abord High of Art. Alors je prends de la peinture, je le charge quand même assez bien. On va y aller avec une touche large puis une touche fine. Vous voyez qu'on est quand même capable de peindre avec. Mais c'est vrai qu'on voit quand même que les poils s'en vont un petit peu à droite, à gauche. Hein. Maintenant, le Da Vinci, le voilà, le fameux Da Vinci. Les poils ne sont pas du tout écartés. Ah, vous voyez qu'il faut revenir souvent sur la palette avec lui, là, pour aller chercher la couleur. Voilà. Voilà, donc pour ce dernier test, finalement, la ligne, euh, bien entendu, n'est plus nette comme elle devrait l'être pour la plupart des pinceaux parce qu'ils ont une trace d'usure, mais quand même, nous avons... Euh, deux ou trois pinceaux qui n'ont quasiment pas de traces d'usure, comme par exemple le Lasco ici. Ça va très très bien. Euh, y a, les, les poils ne sont pas du tout écartés. Euh, ici aussi, le, le Princeton aussi. Il a une bonne tenue. Les poils sont revenus. Une fois chargés de peinture, ils sont très bien revenus. Euh, Celui-là aussi, le, le deuxième, le, le Da Vinci. C'est bien, vous voyez. Les autres. Euh, plus ou moins selon le cas donc vous allez voir tout ça dans le dans le récapitulatif dans le fichier euh, PDF qui va se trouver dans la description vous allez avoir un lien pour cliquer dessus pour obtenir ce comparatif des dix pinceaux parmi tous ces pinceaux donc ce que je retiens pour moi personnellement euh, avec les tests que j'ai faits hein, ça reste quand même toujours euh, comme je vous l'ai dit c'est pas scientifique c'est euh, des tests que j'ai appliqué en fonction de nos façons de peindre, et euh, si je devais continuer à peindre avec ces pinceaux-là, je choisirais le Lasco, vraiment qui est excellent, que je trouve qu'il a très bien résisté à, à tout ce qu'on lui a fait subir, et qui donne toujours une belle touche. Euh, il garde bien la peinture. Oh, il, franchement, c'est à mon avis c'est le meilleur de tous ici. J'aime beaucoup aussi le Raphaël. Alors, bien que le Raphaël soit très ferme, très dur, euh, pour de la peinture à l'huile, ça va très bien aller. Pour de la peinture acrylique, il sera peut-être pas aussi approprié. Alors, je vous dirais, je prendrais le Raphaël pour la peinture à l'huile, le Lasco pour la peinture acrylique, voyez. Ensuite de ça, pour des euh, parties peut-être un peu plus détaillées, bien sûr, j'aime toujours mon connoisseur, mais là, je trouve que il n'a pas donné un très bon résultat avec les tests d'écrasement et de frottis. Mais c'est pas ma façon de peindre. Moi, normalement, je je l'écrase jamais quand je le nettoie et je fais à à très attention de ne pas trop le frotter. Donc, ça va rester mon pinceau préféré à condition que je ne le maltraite pas. Vous voyez, c'est très important. Euh, puis voilà, c'est pas mal ça. Euh, le Da Vinci est beau encore, mais moi, personnellement, pour moi, je le trouve trop mou. Euh, les autres pinceaux, comme le, le Galeria de Windsor Newton, le Rosemary Co., ce sont des, euh, des pinceaux qui ont une fibre synthétique qui se ressemble beaucoup et euh, qui peuvent être bons encore. Effectivement, aussi, le, le, le Rosemary Enco, il a vraiment souffert du maltraitement aussi. Si ça n'était pas ça, si je peignais avec de façon toujours sécuritaire pour le pinceau, je le garderais pour mes peintures acryliques, mais je pourrais très bien prendre aussi le Windsor Newton Galeria pour mes peintures acryliques, parce qu'il a un bon... Lui, il a peut-être un peu plus supporté le maltraitement. Voilà sinon, à part ça, les autres personnellement. personnellement, je dis bien personnellement. c'est euh, comme le, le silver. je sais que j'en ai acheté plusieurs de silver, euh, soit de porc. il est quand même souple pour la peinture à l'huile. pourquoi pas. mais il est un petit peu trop mou pour moi personnellement. le princeton. il a l'air de très bien aller aussi, mais un peu trop mou pour moi aussi. voilà. Euh, j'éliminerai le high of art. Et le euh, Isabé d'office. Et comme je vous ai dit, le Da Vinci il est bien, mais trop mou pour moi aussi. Il est très très mou, très souple. On pourrait quasiment l'utiliser pour de l'aquarelle. Voilà. J'espère vraiment que vous avez appris quelque chose et que ça va vous aider dans le choix de vos pinceaux et surtout de vous faire économiser de l'argent. C'était aussi ça le but. Et si c'est le cas et que vous avez envie de me remercier, eh bien il vous suffit de cliquer sur le petit pouce en l'air qui se trouve sous la vidéo. Et, ou bien de le marquer dans les commentaires en dessous de la vidéo. Voilà, ça me fera vraiment très 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 plaisir. Au revoir, je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo sur des techniques de peinture. Euh, pour ne rien rater, pensez bien à vous abonner à, et cliquer sur la petite cloche aussi. Et je vous dis à mercredi prochain, merci beaucoup, bye bye.